Pour les élèves, c'est devenu un rituel. Tous les matins, ils mettent leur ordinateur et leur smartphone au placard et les récupèrent uniquement à la fin des cours. L'école Marie est l'une des premières au Danemark à limiter l'usage d'outils numériques. Les directrices ont pris conscience que cette forme d'apprentissage était allée beaucoup trop loin. It was out of control. We couldn't make a decision without the computer or the phone. We everywhere we looked, there was a phone, there was a computer, and the students, when they came in the morning, they just took up their computer as it was normal. But it isn't. It's normal to be human beings talking together. It's not normal having a device between us. Depuis, les enfants travaillent avec du papier et des stylos. Au début, le retour aux méthodes classiques a été difficile, et pas que pour les élèves, car les manuels scolaires sont liés au travail sur ordinateur. When they told us we could use none, it was just panic going through my mind. It's because all of the Danish books are just digital. So it's hard for me to grab a book from the shelf and say, let's go to page 20 and do that one. We can't do that because then the first assignment will be on paper, but the next one, they will need a computer for that one. Le gouvernement danois a annoncé vouloir débloquer des fonds pour l'achat de nouveaux manuels. Selon la dernière étude PISA, les enfants et ados danois sont ceux qui passent le plus de temps devant les écrans. Le ministère de l'Éducation appelle les écoles à faire marche arrière et préconise une détox numérique. La psychologue Aida Bikic travaille sur l'impact des écrans et des réseaux sociaux sur les jeunes. Elle constate des difficultés croissantes de concentration, mais pas seulement. Aber auch, dass jeder zweite Jugendliche, der in die Psychiatrie kommt mit Selbstschädigung, das auf TikTok gesehen hat und da inspiriert wurde. Also überhaupt, also emotional, dass diejenigen, die sehr viel Bildschirmzeit haben, auch also oft diese Symptome von Angst, Depression oder Einsamkeit aufweisen. Désormais, les ordinateurs sont utilisés lorsqu'il y a un intérêt didactique, par exemple lorsque les élèves font des multiplications. Si les outils pédagogiques classiques font encore défaut, Maria Nielsen voit clairement les avantages du travail sans écran. It is clear that we get a higher level of commitment to the class, we get a higher level of commitment to the social life in the classroom, and we also get a higher interaction both between the students but also with me. Dans la cour, le changement est encore plus flagrant. Avant, chacun regardait son portable. Aujourd'hui, les élèves jouent au foot.